time to play the game. Salut à tous, c'est Japron. Je suis désolé pour d'avoir pas diffusé avant, comme je n'ai pas vu le show, je me suis endormi juste avant. Comme WrestleMania m'a épuisé, comme ça dure au moins 5 heures. Donc j'ai dû dormir cette nuit, quoi. Voilà. Donc je viens d'être choqué par le résultat du premier Raw après WrestleMania. Donc en premier. Alors. Il y a eu John Cena contre Mark Henry. Donc John Cena a gagné. Après, il y a eu la. Je crois qu'il y a eu l'intervention de Ryback. Ouais, l'intervention de Ryback. J'ai mal un peu à la gorge. Il y a eu l'intervention de Ryback et ça a été dit. John Cena contre Ryback pour le titre de la WWE Extreme Rules. Après. Bah, comme ça a été annulé hier, Ross Collar contre Funk Doctil. Bah, Ross Collar ont perdu le match. Aujourd'hui, ce soir, quoi. Fandango a battu Kofi Kingston par disqualification. Bah, Big Show, je crois qu'il a intervenu dans le match Orton Sheamus. Oui, voilà. Zack Ryder, Ocho et Santino ont battu les Flambi. Il y avait l'Undertaker qui faisait un mémoré à Paul Bearer, là, même possible pour 121e victoire. Il y a eu le Shield qui ont voulu interrompre l'Undertaker et Kane est venu, quoi. Voilà. Et ça c'est le choc de ce premier round après WrestleMania. Alberto Del Rio contre Jack Swagger. Alberto Del Rio gagne. Et là, le choc de Swagger en caisse. Et c'est le nouveau World Heavyweight Champion. Ce qui. Putain. Ça fait vraiment bizarre de voir Dolph Ziggler. On a eu la revanche Wade Barrett contre The Miz pour le titre et Wade Barrett a récupéré son titre. J'ai cru qu'il allait le garder plus longtemps, mais il a gardé 24 heures quand même. Biggie Longstall contre Daniel Bryan, donc Biggie a gagné. Oui, c'est ça, voilà. À la fin, Cena a parlé de son match de championnat, Mark Henry l'a interrompu. Donc voilà pour ce rôle-là. Donc, je suis un peu déçu de l'avoir pas regardé. Donc, bah, je regarde quand il sera sur YouTube ou quoi. Donc, désolé pour ma voix. Donc voilà les images, les 5 moments. Les 5 moments de WrestleMania, voilà, vous voyez Reba qui vient attaquer Cena. Après, Dolph Ziggler qui encaisse. Après, il y a quoi? Ah oui, Kane qui vient sauver l'Undertaker du Shield. Donc après, il y a eu quoi? C'est là qu'ils discutent de sa rédemption à WrestleMania. Allez, il reparle du match Brock Lesnar Triple H. Il paraît pas, mais Triple H a un problème à la main, quoi. Au bras. C'est vers la main, donc il a eu, je crois, une fracture ou quoi. Pendant le match. Donc voilà. Ben voilà, c'était les résultats du Raw du 9 avril. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le résultat de David Smackdown. Donc voilà. Allez, salut à tous.